From Studio 5 of CRTV's Production Center in Balatu, Yaoundé, we are delighted to bring to you the midday bilingual newscast on the Cameroon Radio Television. Good afternoon, Ariel. Bonsoir, Alphonse. You have Bonjour, Alphonse. La paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel de Koumou est en fête ce dimanche à l'occasion d'un triple événement. La visite pastorale de l'archevêque métropolitain de Yaoundé, la fête patronale de la dite paroisse et le 20e anniversaire de la création de cette paroisse. En sport, Coupe du Cameroun de Judo Panthère, Judo Club vainqueur de l'édition 2024 qui s'est déroulée à Soa sous la présidence du ministre des Sports et de l'Éducation physique. En page magazine, le 12h ira à la découverte de la paroisse Saint-Michel d'Ouvangar dans le diocèse de Maroua-Mokolo, un lieu de culte mais davantage une œuvre artistique à visiter à tout prix. C'est tout pour les titres. La première partie du journal, c'est avec vous, Alphonse. Absolutely. The Our Lady of Mount Carmel Parish of Akonolinga in the Diocese of Mbalmayo is celebrating its 70th years of existence and commemorating the 50th anniversary of the death of its founding father, Father Francis Gross. The dual ceremony is officiated by His Grace Joseph Marin Diokala, Bishop of the Diocese of Mbalmayo, and the brethren from other parishes of the diocese have joined worshippers in Akongo for the celebration. The tribute to the French Spiritan missionary, Father Francis Gross, who spent over 23 years of his pastoral life in the locality, is being used to remember how hard he worked to impart lives, drawing the community close to God. We shall bring details of that story in our newscast subsequently. The Our Lady of Mount Carmel Catholic Parish of Koumou in the Nyonganso Division is in celebration this Sunday. The parish is celebrating three events: the pastoral visit of His Grace Jean Barga, Archbishop of Yaoundé, the patronal feast of the parish, and the 20th anniversary of the church. The pontifical mass, which begins in a couple of minutes from now, will be punctuated by the administration of the sacraments of confirmation and Holy Communion. La paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel d'Akongo dans le Meufou Akono célèbre depuis le début de la semaine son jubilé des 70 ans de sa création. La messe pontificale qui sera dite ce dimanche par Monseigneur Joseph Marin Diokala, évêque du diocèse de Mbalmayo, a rassemblé toutes les paroisses du diocèse éponyme afin de rendre grâce à Dieu pour cette œuvre qui a servi de moyen d'évangélisation dans ces zones forestières. C'est aussi l'occasion pour l'ensemble du diocèse de se rappeler qu'il y a 50 ans de cela, la disparition du curé fondateur de la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel d'Akongo. Le père Francis Gross, missionnaire spiritain français. La chapelle Notre-Dame de Carmel est une architecture moderne d'une capacité de plus de 2000 places. Illuminée par 22 vitraux colorés, ses saints et saintes installés avec le concours des fidèles du village et la paroisse, dirigée par le regretté père fondateur Francis Gross qui repose à l'esplanade de la chapelle. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Célébration d'un triple événement ce dimanche à la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel de Koumou. Il s'agit de la visite pastorale de l'archevêque métropolitain de Yaoundé, la fête patronale de cette paroisse et les 20 ans d'anniversaire de la création de la dite paroisse. Au cours de cette visite, Monseigneur Jean Barga va célébrer une messe pontificale pour sanctifier le peuple de Dieu. Une messe qui sera ponctuée par l'anniversaire des sacrements de confirmation aux catéchumènes. Nous y reviendrons. Le roman « Entre deux mondes » de Joseph Ateba a été et dédicacé hier à Yaoundé. L'ouvrage de 197 pages traite des problèmes de combat spirituel et de foi en Jésus-Christ. Reportage Théo Evembe. « Entre deux mondes » est cet ouvrage qui met en relief le combat entre le bien et le mal, la lumière et les ténèbres. Il s'agit vraiment du combat entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres, entre la vie et la mort, comme on peut le dire. Et au centre de ce combat, il y a effectivement l'homme, parce que c'est lui qui est au centre de tous les enjeux. C'est du juger pour vous-même. Jugez et voyez. Et
il y a beaucoup à apprendre du fait que son expérience est une expérience qui a été réinterprétée. Cette œuvre est la somme de près de 40 ans au service de l'Église catholique par l'auteur. Il met en relief ses combats qu'il a menés au quotidien. Je suis dans la mouvance du renouveau charismatique catholique et c'est pratiquement mon quotidien, n'est-ce pas, prier pour toutes les âmes souffrantes, prier pour tous ceux-là qui ont des difficultés, porter ainsi les souffrances des uns et des autres. Gilles-Joseph Ateba est le fondateur de la communauté Les Béatitudes du Très-Saint-Cœur de Jésus. La cérémonie de dédicace du roman Entre deux mondes, paru aux éditions Veritas, a été marquée entre autres par une messe eucharistique pour rendre grâce à Dieu pour l'apparition de ce livre. Modernisation et digitalisation de l'administration publique, une nouvelle application de gestion logique des effectifs et de la solde vient de voir le jour. Les données seront désormais centralisées pour augmenter l'efficacité de l'administration. Elvire Angéline Ballet explique. Le gouvernement vole désormais vers une nouvelle vision avec son oiseau majestueux, Aigle. L'application informatique de gestion logique des effectifs et de la solde vole la vedette à CIGIPES. Constituée de 14 modules, elle permet de découvrir tous les pans relatifs à la gestion des ressources humaines de l'État. Parmi les éléments phares qui viennent améliorer le casse-tête des agents publics, les relations avec les usagers et la gestion des avancements des agents publics régis par le statut général de la fonction et du code du travail. Avant, les usagers allaient quitter des périphériques pour la métropole, en effet, de venir suivre le traitement de leurs dossiers. Ils pouvaient aussi utiliser le portail du Minfopra pour voir la position de leurs dossiers. Maintenant, il y a dans le Aigle, il y a un espace usager qui leur est dédié, à partir duquel ils pourront interagir avec l'administration. À partir de là, il y aura une meilleure gestion de la carrière des agents publics. Ce qui change aussi dans cette transformation de la gestion des travailleurs du secteur public, la gestion des retraites et le contrôle de présence au poste. Au même titre que les avancements, à votre date de départ à la retraite, le système doit faire exactement le même travail. Préparer automatiquement votre acte de retraite et vous concéder vos droits à pension. Et le dernier angle, c'est le contrôle de présence au poste. Un système digne de confiance qui, pour le ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, s'avère un outil fiable pour lutter contre les malversations et les fraudes dans la gestion des ressources humaines. Let's have a book review in this newscast. And our focus is on Impact is a Choice. Cameron Otto Nelson, Linjo submits the 80-page book on the midday bilingual newscast. He draws his inspiration from names that have marked time in a step-by-step guide to becoming a change agent. Here is Clovis Bauer, who in the following report says the book is a must read for anyone who wishes to make a difference in their generation. Clovis? No one is good for nothing, and every person is born for a purpose. It is on this ideology that Nelson Linjo pens down some remarkable principles to becoming a change agent. His ideas are compiled in an 80-page book titled Impact is a Choice. I lost a friend and I began asking myself questions. What has this guy done before he's leaving the world? And I searched and I saw nothing that we could see that he did something. And I started thinking of what I could do to better my life first. I believe that we all are called to do something on the face of the earth. And there is something that each and every individual has to offer. This book talks about how to discover purpose, because you cannot create impact without discovering the reason why you were sent on earth. For the author, the true value of one's life is not measured by the material possessions of an individual, but rather on the number of lives touched and transformed through acts of kindness.
If we must create an impact that is everlasting, then it must be referred to the Word of God. I believe that impact starts from yourself, and any opportunity you have, be it on the social media or be it off the social media, you have the opportunity. So far as you are exchanging with somebody, you have the opportunity to impact somebody's life. Impact must start from the inside to the outside. Nelson Linjo is the founder of Impact Makers Center, a non-governmental organization aimed at raising youths to be intentional in all they do. Impact is a choice, is therefore that guide for anyone wanting to leave footprints on the sands of time. Interesting. The International Relations Institute of Cameroon, IRIC, has graduated a new batch of diplomats and protocol interns. The Secretary General at the Ministry of External Relations, Umaru Shinmun, represented the minister at the graduation ceremony. Let's have details of that story with Charles Ebune. Thursday, July 18, 2024, the day of the 15th edition of the Nelson Mandela International Day, one of the world's leading global icons, but equally the day of graduation at the International Relations Institute of Cameroon, an institution with plus 50 years of existence. It is graduation day for 43 intern and diplomatic protocol officers of the institution graduating after 10 months of studies. Ceremony. This solemn graduation ceremony of the 52nd batch of the diplomatic and protocol interns cements the International Relations Institute of Cameroon as a center of excellence in the field of diplomatic training. They come from at least three countries, and according to the director of the International Relations Institute of Cameroon, Daniel Ubendongo, they are ambassadors of the institution, which has proven its worth over the years as a school to train diplomats and related officials. Au terme de 10 mois. At the end of 10 months of training, we are glad to hand to Cameroon and neighboring countries qualified human resources. Hautement qualifié. On behalf of the Minister of External Relations, the Secretary General of the Ministry of External Relations, Umaru Shimun, tasks the students to be good ambassadors of the institution wherever they serve, with competence, loyalty, and with the code of conduct learned from the International Relations Institute of Cameroon. The 43 graduating students from at least three countries are the largest batch of students graduating from the International Relations Institute of Cameroon, one of the oldest school of diplomacies in Africa, south of the Sahara. Le livre intitulé « Cyber, responsabilité, un monde connecté et engagement des pays africains » de Paul-Thierry Ekota est un outil d'aide à la décision qui vise la transition numérique réussie en Afrique. Franck Evina fait la note de lecture. Dans un monde de plus en plus connecté, l'Afrique est à la croisée des chemins. D'une part, saisir la pléthore d'opportunités de développement qu'offre l'univers du numérique. D'autre part, se prémunir des tares et des dangers engendrés par la percée des TIC. Cet ouvrage apparaît ainsi comme un guide pratique pour les décideurs, les acteurs économiques et la société civile. La démarche cyber, responsabilité, un monde connecté, un engagement des pays africains. La démarche holistique proposée par Paul-Thierry Ekota, l'auteur de cet ouvrage, révèle deux centres d'intérêt prioritaires pour une transition numérique responsable et inclusive, les défis de la cyber-responsabilité et les défis de la gouvernance numérique. Un impératif pour y parvenir, les stratégies doivent être multi-acteurs et ancrées dans les réalités du continent. Une porte ouverte sur la souveraineté numérique de l'Afrique. Évidemment, Paul-Thierry Ekota souligne l'urgence du développement d'une infrastructure numérique à la hauteur des enjeux. L'auteur est ingénieur de génie télécommunication et titulaire d'un PhD en cybersécurité. Cyber-responsabilité, un monde connecté, un engagement des pays africains. 147 pages. Édition de Midi. Vous êtes en direct du 12h. Sa dignité, Lévi Tsapsi et ses deux adjoints sont désormais à la tête de la communauté Bamendou de Yaoundé. Ils ont été intronisés hier par Sa Majesté Gabriel Tizi
du roi de Bamendou. Son et couleur dans cette cérémonie avec Rosine Manga. Une ère nouvelle pour la communauté Bamendou de Yaoundé. C'est sur les auteurs de Nkonyada que l'histoire s'écrit. Et voici les vedettes du jour, parées de leurs plus beaux atours. Tchapi Levi, chef de la communauté Bamendou de Yaoundé, et ses adjoints reçoivent l'onction traditionnelle. L'intronisation est conduite par Gabriel Tidier, chef supérieur roi des Bamendou. Certes, la tâche, elle est ardue, mais avec cette ferveur, cet accompagnement de toute la communauté Bamendou, on pourra se battre pour être à la hauteur de la tâche. Pas de temps de répit. Le travail débute dès à présent. Les missions qui leur ont été assignées sont celles de porter plus haut la communauté Bamendou tout entière. La priorité des jeunes, la promotion du sport et la culture. 3 ans après sa nomination, Tchapi Levi vient ainsi succéder à Maurice Tchafouet, décédé. Connecter les jeunes avec leurs racines ancestrales et culturelles tout en développant leurs compétences artisanales. Tels sont les objectifs visés par le camp de l'artisanat organisé au Palais Royal Batoufam par la princesse Marianne Mbema. L'opération va durer 2 semaines. Marc Aurel Young à DCR TV Ouest. Sous l'encadrement des artisans professionnels, la 50aine de jeunes qui ont pris part à cet atelier de formation à la chefferie supérieure Batoufam ont passé une semaine enrichissante à apprendre l'art des perles et la fabrication d'objets traditionnels. Une activité passionnante qui a suscité un grand intérêt parmi les participants. On nous a appris à habiller les bracelets et mettre les perles. Je peux fabriquer la queue de cheval, les bracelets. Même les tabourets. Impulsée par la princesse Marianne Mbema, élite de la localité, l'initiative vise à transmettre aux jeunes les valeurs de récupération et de préservation des techniques ancestrales de perlage. Je loue l'initiative qui a été très bénéfique pour nous, aussi bien pour moi que pour les enfants. En leur remettant leur parchemin de fin d'initiation, Sa Majesté Nayan Toukam Innocent, chef supérieur de Batoufam, a salué et apprécié l'engagement de l'élite et l'implication des jeunes. Elle devrait être fière d'avoir initié cette joie du cœur qu'elle est pour son village et vivement que nos ancêtres l'accompagnent, lui prêtent main forte pour l'édition prochaine. Une opportunité saisie au bon par ces jeunes qui ont eu à allier l'utile à l'agréable pendant cette période des vacances. Members of the Catholic Women's Association, CWA, have challenged inmates of the Bamenda Central Prison to use the facility as a soul-searching platform that should convert them into positive-minded persons once they regain their freedom. The women who have offered foodstuff to the prisoners in line with the Diamond Jubilee of the CWA insist that those in prison must be shown love and compassion. Details of that story with Kilof Valerin Salah from Bamenda. This appears like a classical Sunday church service, but it is the prisoners' way of receiving an appreciating gift from the Catholic Women Association, which is showing love to a group of people often rejected by the society on the grounds of their perceived criminal and questionable moral record. We had rice, about 4 bucks. We had sugar, about 20 packets. Palm oil, about 45 liters. Irish potatoes, about 3 bucks. Garri, about 10 buckets. Beyond the material offer, the message is there is still a second chance for the inmate to redeem themselves. First, they have to accept where they are. Then, they reflect what has brought them here. When you reflect, then you make a move to change, especially if you know that what you have done was not correct. The Catholic Women Association is celebrating 60 years of its existence, and the Bamenda Central Prison has traces of the long journey. Thank you, Kilo Valerie. From Bamenda, let's go over to the far north region in Marwa. The Duvanga St. Michael Parish of the Marwa Mokolo Diocese is a touristic piece apart from it being a consecrated worship shrine.
Constructed with a chain of stones in the early 1950s under the coordination of a French priest, Yves Tabar, the church building is a beautiful sight to behold. Amos Enonyaket Agbo takes us on a discovery mission of the St. Michael Parish of Duvanga in the Far North region. Constructed on the slopes of a long array of beautifully knitted rocks, this unique architectural piece of the St. Michael Parish of Duvanga must have been constructed with a reference from the Bible in the book of Matthew chapter 16 verse 18, where the Savior of humanity, Jesus Christ, spoke to Apostle Peter about building his church on a rock and the gates of hell would not be able to prevail. The entire edifice is built with rocks from the sanctuary to the pew. The rocks are well aligned with the same calculated space for every parishioner. Inspired by the philosophy of the way of life of the Mufu people who privilege the community way of living, the sanctuary of the Blessed Holy Virgin Mary is well engraved by rocks on an elevated position of intercession for the faithfuls who will have to pass through a rocky route to the sanctuary for pilgrimage or moments of prayers and intercessions. Apart from this sanctuary being a worship house, it is a tourist destination, leaving many who come around marveling about the wonders of God. En sport, Coupe du Cameroun de judo, la finale s'est disputée hier à soir sous la présidence du ministre des Sports et de l'Éducation physique et ses Panthères Judo Club, le champion Vernet Mba. C'est sur une technique d'Osoto Gari que le capitaine des Panthères a donné la victoire à son équipe. Cette projection extérieure, réalisée avec précision et puissance, a marqué un tournant décisif dans le combat. Ça, c'est une compétition qui est aussi assez relevée, très difficile, parce que nous sortons des dernières compétitions, notamment Marrakech et Abidjan. La salle, comble des spectateurs enthousiastes, a vibré d'émotion et d'encouragement tout au long des rencontres. Chaque équipe a démontré un niveau exceptionnel de compétences et de détermination, offrant un spectacle impressionnant de techniques de judo. Une compétition de haute facture, et vous savez que certains acteurs sont champions d'Afrique. J'aimerais adresser toutes mes félicitations à Maître Klingé, qui est le président de la fédération, à tous ses collaborateurs, parce que ce que nous avons vu là cet après-midi est véritablement extraordinaire. C'est une coupe qu'on a l'habitude de remporter chaque année et on les a préparés comme habituellement. Mais on a constaté que en fonction des équipes adverses, leur niveau a augmenté. Nous, on a aussi essayé de travailler un peu plus pour être au-dessus. Cette finale a non seulement couronné les Panthers Club, mais a également mis en lumière l'engagement et le développement du judo au Cameroun. That's where we draw the curtains on this Sunday's edition of the Midday Bilingual Newscast on CRTV, packaged for you with the production assistance of journalism students on internship, Raisa Ananga, Sandra Tuwombu, and Maeva Inga. Please prolong your stay on CRTV with Kilian Dandifon, who and his guests are already on set for Press R. The next newscast comes up your way at 7:30 today. We shall be here again as from Friday next week. Ariel, have a wonderful Sunday. Pareillement, on se retrouve vendredi prochain.